Nous attendons notre MC et aussi nous attendons nos artistes qui se préparent dans ces chantiers. Une fois de plus, excusez-nous pour le retard. Si vous voulez avoir quelque chose, n'hésitez surtout pas d'appeler nos protocoles et elles vont vous aider. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ah, finalement, comment ça va venir? Bonsoir de ce côté. Bonsoir. Ah, on va gagner. Ah, on va gagner. On célèbre la Thanksgiving, comme on a dit à l'africaine. Bonsoir à tous. Ah, oh, ok, finalement, il est bon. Bonsoir, bonsoir ici. Ah, on a moins de la photo, on va gagner. En tout cas, merci encore à tous. Nous allons maintenant commencer dans le programme. Nul n'est sans savoir ce que nous sommes venus faire ici ce soir. Nous sommes venus célébrer une grande fête, la Thanksgiving. Mais aujourd'hui, elle est spéciale parce qu'on célèbre la Thanksgiving à l'africaine. Une bonne signature, une belle signature venue d'une grande dame qui nous a fait le plaisir de nous organiser cette activité pour qu'aujourd'hui, nous puissions fêter ensemble la Thanksgiving. Alors, qu'est-ce qu'est la Thanksgiving? C'est une fête, en fait, qui a été créée depuis 1900, elle est venue pendant l'histoire depuis 1941, et qui permet à la population d'être reconnaissante envers le Seigneur par rapport à tout ce qu'il a fait pour eux. Donc, c'est pour ça que nous célébrons ici, ce soir. Il est donc important de commencer notre activité. Ce soir, nous allons appeler la personne qui nous a tous fait réunir ici, ce soir, pour venir dire un mot. Ça va l'appeler sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et voilà. Voilà. Waouh. Quel temps magnifique. Ça va? Ça va, docteur. Ok, on va commencer maintenant. Madame Blondine va nous faire l'honneur de nous dire un mot de circonstance. Mesdames et messieurs, chers invités, bonsoir. Avec une profonde émotion,
et une immense joie que je m'adresse à vous aujourd'hui. En cette journée dont nous célébrons le Thanksgiving à l'africaine, une fête où nous honorons le valeur d'unité, de gratitude et de partage, je tiens avant tout à vous remercier pour être venu. Cette fête n'est pas juste une célébration, mais aussi une opportunité précieuse de réflexion et de mobilisation. Nous, Africains, vivant aux États-Unis d'Amérique, portons en nous un héritage riche et diversifié, façonné par nos origines et cultures et nos expériences. Pourtant, ici loin de nos terres natales, nous sommes souvent perçus comme un seul et un même peuple. L'Américain ne te dira jamais que tu es Congolais. L'Américain ne dira jamais que tu es Sénégalais ou encore Malien. Il nous appelle des Africains, n'est-ce pas? On est d'accord. On continue. C'est comme je disais, loin de nos terres natales, nous sommes souvent perçus comme un seul et même peuple, confrontés aux mêmes défis et partageant les mêmes aspirations. Cette réalité qui inspire de regards extérieurs doit devenir un appel à l'action. Celui de construire ensemble une unité solide, non par contrainte, mais par choix. Unité et entraide. Tels sont les deux piliers qui doivent guider notre cheminement commun. Loin de nos terres, nos forces résident dans notre capacité à nous soutenir mutuellement, à nous organiser et à parler d'une seule voix. Cette communauté africaine que nous formons peut devenir une force puissante et respectée, non seulement pour répondre aux défis auxquels nous faisons face, mais aussi pour inspirer, influencer positivement les sociétés dans lesquelles nous vivons. Je vous invite ce soir, je vous invite aujourd'hui à faire de cette vision une réalité à travers trois engagements concrets. 1. Favoriser l'entraide au quotidien. Donc, que chacun de nous s'interroge. Comment puis-je être utile à mon frère ou à ma sœur? L'entraide ne se limite pas aux grands gestes. Elle commence par des actions simples, comme orienter un nouvel arrivant, partager une opportunité de travail, par exemple, ou prêter une oreille attentive. 2. Renforcer nos réseaux. Puisse cette première édition est nécessaire festive, nous organiserons dans des prochaines éditions les espaces de collaboration, des conférences, des ateliers d'affaires, de voyages, de barbecues et beaucoup d'occasions propices au partage d'expériences professionnelles afin de bâtir de ponts solides entre nos diverses communautés africaines et de tirer parti de la richesse de nos différences. Ensemble, nous pouvons développer de projets collectifs qui bénéficieront à toute la diaspora africaine, mais aussi à notre continent, notre terre d'origine. 3. Promouvoir nos valeurs et nos cultures. Soyons les ambassadeurs fiers et visibles de ce que l'Afrique a de meilleur à offrir. En tant que communauté unie, nous avons le pouvoir de briser le préjugé. Les autres pensent toujours qu'il n'y a que des animaux en Afrique. Les autres pensent toujours qu'il n'y a rien de mieux en Afrique. Nous pouvons changer cette manière
de choses. Nous pouvons changer l'image que les autres ont sur nous par notre manière de faire. Je tiens à insister sur une chose essentielle. Notre diversité est une richesse, mais notre unité est une nécessité. Je dis, notre diversité est une richesse, mais notre unité est une nécessité. Nous sommes ici pour tisser de liens plus forts, pour élever les uns les autres et pour construire un futur où la diaspora africaine sera un modèle d'excellence, de solidarité et de leadership. En ces jours, à cette soirée où nous célébrons le Thanksgiving à l'africaine, une fête où nous célébrâmes il y a deux jours la gratitude, je vous invite à vous souvenir de tout ce que vous avez fait, de tout ce que nous avons fait ensemble et individuellement, malgré les obstacles que nous rencontrons parfois dans ces pays. Regardons vers l'avenir avec une très grande détermination. Ensemble, nous pouvons accomplir l'impossible. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté africaine forte et unie, capable d'inspirer le monde entier. Je veux vraiment me rendre compte si ma vision de ce soir vaut la peine. Si vraiment mon appel a été entendu, alors j'aimerais que, avant de finir mon discours, savoir s'il n'y a pas que les Congolais dans cette salle. Faites-moi savoir s'il y a de Brazzavillois parmi nous. Seigneur, aïe, acclamons pour elle, s'il vous plaît. Faites-moi savoir s'il y a des Sénégalais parmi nous ce soir. Faites-moi savoir s'il y a des Ivoiriens parmi nous ce soir. J'aimerais savoir s'il y a des Camerounais parmi nous ce soir. Alléluia. Merci d'être venu. Est-ce qu'il y a le Congolais de la RDC parmi nous ce soir? Je pense que l'Afrique est représentée, n'est-ce pas? Oui. Pour ça, je vous remercie. Et je vous souhaite une célébration remplie de joie, d'amour et d'espoir. Bonne fête à tous. On veut vraiment avoir des applaudissements pour cette belle dame qui a réalisé l'activité. Voilà. Applaudissements. Merci beaucoup, merci beaucoup. Souvent, tu sais, toute la communauté n'arrive pas à se réunir comme ça pour passer des moments si intenses, si forts. Merci. Vraiment, nous te remercions pour cette brillante idée magnifique qui merci. Nous permet aujourd'hui de célébrer tous ensemble cette fête qui est la Thanksgiving. En fait, on a retenu une grande phrase
dans ton discours, qu'il faille vraiment que nous puissions utiliser dans notre vie bien et bien utiliser. Je sais que beaucoup de Congolais vont dire les voyages. Parce que chez nous, on dit, Oléa, Massana, avec l'argent des transports. Ah, on a blindé. On va aller à Poterlo. On va aller à Cuba. Non, Madame Josine a dit, notre diversité est une richesse et notre unité est une nécessité. Voilà. En tout cas, j'aimerais vraiment que chacun porte ça à cœur et qu'il l'utilise dans sa vie quotidienne. Merci beaucoup, Maman Blandine. Maman, prenez juste pour Naïs, s'il vous plaît. Maman Blandine étant congolaise, j'aimerais faire représenter le Congo et nous allons donc appeler le président de la communauté congolaise, un ami de M. Fabrice Lopo, venir dire un petit mot ici ce soir. Je vous applaudis, s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, les invités, chers participants, c'est vraiment avec une note de satisfaction particulière que j'interviens en ce moment pour une petite adresse circonstancielle. Je ne reviens plus sur les considérations d'ordre historique en rapport avec la Thanksgiving. Je crois que elles ont été brillamment exposées par le docteur Camille Mousseme. Mais je voudrais d'abord, avant de dire un mot en rapport avec cette soirée, saluer cette initiative qui nous réunit cette soirée. Initiative de Madame Blandine Blastet, que je demande humblement une fois de plus à applaudir, s'il vous plaît. Mais j'ai l'impression que vos applaudissements sont constipés. Les applaudissements apparemment sont constipés. Elle peut vraiment applaudir. Bien, simplement au nom de la communauté congolaise que nous représentons, avec mon doyen papa Didier Yakanoulou, le Maouba, avec donc son autorisation, je me permets de relever en fait, tiré du discours de Madame Bali tout à l'heure. Au-delà de la communauté congolaise, nous devons beaucoup plus avoir cette dynamique d'une grande communauté africaine. C'est très, très important. Il est vrai que nous avons laissé très loin notre continent africain. Nous sommes pratiquement ici comme des immigrants. Et on dit toujours que les États-Unis constituent un pays des opportunités. Effectivement, les opportunités existent. Les informations existent. Mais simplement, nous, Africains, parfois, on n'est pas très, très informés sur toutes ces questions. Et vous remarquez, par exemple, il y a d'autres communautés, pour ne pas citer, par exemple, les personnes qui ont en partage une même langue, le spanish. Ils sont des pays différents, mais ils ont une langue en commun. Mais voyez comment est-ce qu'ils constituent une force. Ça fait pratiquement le regroupement de plusieurs pays. Et ce n'est pas impossible pour nous en Afrique. Au lieu chaque fois de voir Congo, Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, et j'en passe, on doit beaucoup plus s'inscrire dans une dynamique d'intégration africaine, d'une forte communauté africaine, pour pouvoir relever, comme Mme Blandine l'a dit, les défis
auxquels nous sommes confrontés dans ce pays. Donc, mon message de ce soir, c'est un message simplement de prise de conscience collective. Je ne reviens plus sur la tech civile parce que vous l'avez déjà exposé. Donc, un message de prise de conscience collective en tant qu'Africain, voir comment est-ce qu'on peut marcher ensemble. Chez nous, au Congo, les gens ont l'habitude de penser évoluer seul. Vous me permettez, peut-être que je peux le dire en lingala, ce n'est pas bien. Quand vous voyez nous autres, c'est parce qu'ils forment une coalition, même en matière d'entrepreneuriat, même le plus grand business qui existe dans ce pays-ci. Ce sont des associations, ce sont des sociétés de personnes qui se sont mises ensemble. Ce n'est pas des activités individuelles. Tu vois, vous voyez par exemple, Mme Blanine a eu cette initiative, il faut la soutenir. Deux, trois personnes peuvent également se joindre à elle et peut-être que l'année prochaine, ça sera une réalisation beaucoup plus grandiose que celle-ci. Voyez-vous? Donc, je ne vais pas m'éterniser. J'ai même, il faut qu'on me donne le micro, j'ai du mal à m'arrêter. Je sais que le temps est en train de presser. On n'a pas assez de temps, on a commencé pratiquement en retard. Je voudrais une fois de plus réitérer mes félicitations à Madame Blandine et au nom de la communauté, nous vous soutenons et nous vous souhaitons vraiment de bonnes choses pour les années à venir et nous faisons croire que ça va finalement se concrétiser, surtout votre rêve de voir une diaspora africaine unie. Nous faisons croire que cette idée-là va se matérialiser. Donc voilà, en résumé, le petit message que j'avais pour vous ce soir. Je vous remercie de l'attention particulière que vous avez accordée à mon intervention. Et maintenant, je pense que je vais remettre le micro ainsi pour que nous commencions les choses sérieuses, les choses pour lesquelles nous sommes venus. C'est un moment festif, manger, boire et danser. Je vous promets que je vais danser sérieusement aujourd'hui. S'il y a un cahier de cotation, en tout cas, je serai le premier. Ça, je vous promets. On a plus entendu les applaudissements qui viennent du DJ de la machine. On peut vraiment entendre les gens. Si vous applaudissez, s'il vous plaît, je vous invite à entendre votre grand papa. On a toujours réitéré ce que les gens disent pendant leur discours parce que c'est très important. Il y a une phrase forte qu'il a dite. Il a dit « Unissons nos forces ». C'est très important. Dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, en tout cas, nous devons unir nos forces parce que nous sommes une seule famille. C'est l'Afrique qui est unie ce soir et c'est l'Afrique qui gagne ce soir. Alors, comme de coutume, c'est la Thanksgiving. Il faudra partager le repas. Nous allons donc demander au protocole de bien vouloir nous passer les instructions. Je pense qu'ils vont passer table par table. Et nous allons demander à chaque invité qui est présent ici ce soir de pouvoir prendre son plat et d'avancer vers le buffet. Mais en attendant les instructions du protocole. Merci DJ, une bonne musique douce qui accompagne ce bon repas qui va nous régaler ce soir, qui va permettre que nous puissions vraiment... encore avoir de la force pour bien danser comme le président nous l'a dit. On va pas coter peut-être, mais on va peut-être demander à la population de nous dire qu'il a bien fait. Donc voilà. Maman Blandine, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette initiative. Et je pense que chacun de nous est vraiment pressé de déguster tous ces bons mets que vous nous aviez fait. Allô? Que vous nous aviez fait, que vous nous présentez ici, qui représentent encore l'Afrique. Parce qu'il y a plusieurs nationalités qui nous ont cuisiné ce buffet. Merci à tous et bon appétit. DJ, bonne musique, s'il vous plaît. When the world gets loud and chaotic, I find my peace in the notes I create. With every chord, I'm feeling magic. In the rhythm, I escape my fate. I don't lose my mind, I just make a sound.
in every heartbeat my spirit's found. With melodies that heal, I rise above, creating my Zen wrapped in love. When the storms of life are raging, I grab my pen and let it flow. Each lyric brings a new awakening. In the music, I find my glow. I don't lose my mind, I just make a sound. In every heartbeat, my spirit's found. With melodies that heal, I rise above, creating my Zen wrapped in love. Every strong, c'est l'Afrique ce soir. Nous allons appeler quelques entrepreneurs qui ont des business et qui vont parler pendant une minute de leur business ici ce soir. Hein. Chez nous au Congo, on dit opération Fulaninga. Donc, nous avons Fulaninga ce soir. Nous allons commencer avec monsieur Didier Diakandolo que nous allons appeler ici. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Connaissent les business de tout un chacun de nous. Comme ça, ça permet en fait aux Sénégalais d'acheter ou de se procurer des produits en fait ou des articles présentés par un certain business congolais ou je sais pas béninois. Très important, c'est l'Afrique qui gagne ce soir, comme on l'a dit. Bonsoir, papa Didier. Bonsoir, docteur Camille. Bonsoir à tout le monde. Nous vous remercions d'être là ce soir. C'est une grande journée dans notre communauté où nous célébrons la fête de Thanksgiving à l'africaine. Nous profitons aussi de cette occasion pour remercier notre bien-aimée Madame Blandine pour l'initiative qu'elle a eue de manière à nous unir, surtout nous, la diaspora africaine, ici à Northern Kentucky. C'est une grande journée pour nous, nous allons aussi partager le business. Ensemble, moi et ma femme, Maman Ariane, ici à côté,
Nous avions, depuis 2019, lancé les stores, l'initiative Diakas International Market. L'initiative a bien marché grâce à votre soutien. Donc, je vous demande de vous applaudir pour vous-même pour cette opportunité. Merci. Vous avez donc soutenu l'initiative et nous vous encourageons de continuer toujours à soutenir l'initiative et soutenir aussi d'autres stores africaines qui sont ici à nord de Kentucky. Cela représente l'union que la dame, Madame Grandine souhaite à toute la diaspora africaine. L'histoire d'Akas ne compte pas s'arrêter seulement à nord de Kentucky. Prochainement, il compte aller dans d'autres états aussi. Car tous ceux qui y a comme amis qui passent au store, frères et sœurs venant d'autres états, ils nous encouragent aussi d'aller dans d'autres états. Donc bientôt, l'histoire d'Akas va essayer de s'épanouir aussi dans d'autres états pour satisfaire la demande de la communauté congolaise, en particulier et puis la communauté africaine. Et en passant, cela va générer beaucoup de commun où nos frères et sœurs vont participer à l'emballage des produits qui vont venir directement du Congo et qui seront distribués ici aux États-Unis. Et aussi, le store d'Akas ne s'arrête pas là, il appuie aussi la charité, tout ce qu'il y a comme ONG, la Zambor. Chaque année, le store d'Akas fait des efforts pour envoyer quelque chose de manière à aider les enfants pour qu'ils aillent à l'école. Donc, nous vous remercions vraiment pour l'initiative. Et nous continuons à faire de notre mieux pour aller toujours de l'avant. Merci beaucoup. L'adresse du store, c'est 7009 Dixie Highway, Kenya Florence, Kentucky, 41041. Donc, je suis là à côté. À tout moment, vous pouvez passer pour avoir des renseignements. Merci pour le soutien. Sur vos applaudissements, Papa Didier est en train de reprendre sa place. Maintenant, nous allons encore appeler un autre businessman. Nous allons demander à M. Blaise de bien vouloir avancer vers ici pour parler de son business. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bah, applaudissements. Tofula Baninga. Merci beaucoup, M. Camille, de m'avoir donné la parole ce soir. Et bonsoir à tout le monde. Je tiens à féliciter Mme Blandine qui a pensé à cette histoire, à cet événement ce soir. Donc, nous disons grand merci. Je sais que ça ne tira pas pour aujourd'hui seulement. Et je sais je ne voulais pas prendre ou laisser trop long dans le micro. Non seulement les business dont Papa Didier vient de présenter, nous avons aussi autres business en ligne. Nous sommes dans un monde évolué. Il y a certaines personnes qui restent à la maison en train de travailler dans son ordinateur, dans son PDF, ils gagnent de l'argent. Non seulement aller soulever les cartons à Amazon ou DHL, vous pouvez aussi avoir un business en ligne et ça peut vous aider aussi. Donc nous avons déjà lancé un pas. Je suis dans ce business en ligne depuis 2020. Alors je ne suis pas seul, je suis avec mon frère Joseph qui est à côté. Mais c'est Joseph, si vous pouvez se lever, venir m'accompagner parce que nous travaillons ensemble avec lui. Donc voilà, le business ça s'appelle. Voilà, M. Joseph est là. On travaille à deux. Notre business ça s'appelle SIN. SIN veut dire All Communication Network. En français, tous les réseaux de communication. Donc ce business est très simple. Nous avons plusieurs services dans ce business qu'on appelle. Nous avons les services qu'on appelle les services de télécommunication. Ces services-là nous permettent à être ce qu'on appelle, nous travaillons en collaboration avec tous les services en place de télécommunication. Donc nous sommes ce qu'on appelle des collaborateurs dans les services. Par exemple, je vais donner un exemple des services qu'on appelle Spectrum. Nous avons tout le monde à l'internet wifi à la maison. Quelqu'un qui trouve une maison, la première des choses qu'il va chercher, c'est chercher l'internet wifi. Au lieu d'aller directement au Mall Road, là-bas que se trouve les stores, je crois que vous pouvez contacter M. Blaise ou M. Joseph. Nous pouvons vous aider à avoir un wifi à la maison dans 48 heures ou dans 24 heures. Donc c'est juste faire une commande, vous passez une commande. Dès que les services viennent déposer votre carton,
qui a les équipements et nous serons capables d'installer le Wi-Fi à la maison. Sans pourtant vous déplacer, juste donner des informations, on passe une commande et vous avez le Wi-Fi à la maison. Ainsi, les téléphones. Si vous avez un téléphone, vous avez besoin de services. Nous avons aussi ces services de téléphone. Nous avons des SIM cards à la maison. Vous avez besoin de ces services. Nous avons plusieurs plans. Il y a ce qu'on appelle le family plan. Donc, vous pouvez avoir un téléphone, deux téléphones, trois téléphones, quatre téléphones à la maison. Nous avons plusieurs familles ici dans notre communauté. Alors, au lieu d'aller dans d'autres services comme Metro PCS, nous vous demandons de nous soutenir parce que nous aussi nous faisons ce business. Au lieu d'aller perdre de l'argent là-bas, aidez-nous votre frère, nous qui sommes dans ce business-là, n'allez pas là-bas, je vous invite de venir chez nous, de nous contacter. Nous pouvons être capables de vous servir aussi. Donc nous avons plusieurs plans pour avoir one line, two line, three line, four line. Donc c'est à moins cher. Juste, je vais donner le numéro. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous appeler au numéro 217-883-8478. Donc, je vais répondre encore, c'est 217-883-8478. Et non seulement nous avons besoin des services, mais si vous voulez s'adhérer, vous pouvez devenir aussi agent. Vous pouvez devenir travailleur dans SIL. Et si elle est en train d'engager le personnel, si vous voulez adhérer, contactez-moi, je vais vous aider comment vous pouvez adhérer dans ce service en ligne et vous devenez aussi capable de faire ce travail-là. Parce qu'aujourd'hui, tu achètes un téléphone, tu te dis que ok, moi j'ai besoin d'un service, je vais courir vite à Varizen. Quand tu arrives dans le store de Varizen, on va te dire oh, restez là-bas comme ça, donnez-nous les informations. Tout ce qu'il est en train de faire dans le comptoir là-bas, en train de prendre les informations et à la fin il prend votre téléphone, il va mettre la carte SIM, on dit turn off, turn on, le téléphone fonctionne. Et vous êtes capable de le faire, c'est très facile. Vous allez prendre une formation d'un mois et en ce moment-là vous serez capable de faire tout ce que ces gens-là font dans leur comptoir et nous aussi nous sommes capables de le faire si nous voulons. Donc c'est ce que je voudrais dire ce soir. Si vous avez besoin d'adhérer à SIN qui est tous les réseaux de communication, contactez-moi, contactez Papa Joseph. Je crois que peut-être ça pourrait vous aider aussi. Les paiements sont là, donc je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je sais que dans tous les services, il y a toujours un rendement. Donc nous sommes payés pour ça. Et si vous voulez bien, contactez-moi. Nous puissions travailler ensemble et ça sera une bonne chose. Je vous dis bonsoir et bonne fête à la vie. Maboko Lissousou, Maboko Lissousou, bon anniversaire. Voilà, merci. Et nous allons appeler M. Jazz, je crois qu'il est présent ici ce soir, pour parler de son business rapidement, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Bonsoir à tout le monde. Alors, je me présente, je m'appelle Jazz. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ouais, j'ai un business qui s'appelle Zada Clinic Business. C'est un clinic business. Normalement, nous nettoyons des buildings, which is compagnie, maison et peu importe ce que vous avez. Alors, on vient juste de commencer il n'y a pas quelques mois. Et voilà, tout le monde qui a besoin de un building to be cleaned up, une maison, whatever that could be. Unfortunately, we don't do cars. But, on doit une maison, building, ça, le fait comme ça. Voilà, on doit tout ça. Donc, tout le monde qui a besoin de nos services. Mon numéro c'est 859-512-9480 et voilà, 859-512-9480. Alors voilà, merci. Un applaudissement s'il vous plaît.
En tout cas, je pense que vous avez bien retenu. On a commencé par M. Didier qui vous a dit qu'il a un store africain. C'est Diakas International Market. Alors, on a besoin que vous puissiez vraiment massivement aller là-bas pour acheter les produits africains et les produits congolais dont vous avez besoin. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Hein. Moi-même, j'y vais de temps en temps et je le vois, il reçoit très bien. En tout cas, on a besoin que vous puissiez y aller. On vous a parlé de ACN par M. Blaise. Il a parlé de la communication. Peu importe le réseau, ils sont en train de fournir le réseau partout et à tout le monde. Donc vous qui travaillez online, vous qui faites vos activités online, en tout cas n'hésitez pas à le contacter pour qu'il puisse vous aider. Et on vous a parlé du nettoyage des maisons, donc vraiment all the cleaning, Monsieur James. En tout cas, franchement, nous vous recommandons vivement d'aller vers ces personnes pour aller vous procurer de leurs services. Et nous allons appeler le DJ Love. Il va avancer sous vos applaudissements. Rapidement, brièvement, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Moi, c'est Patrick Semi Igelon. Je suis informaticien, maintenancier spécialiste. Tout ça, bah, service est mêlé. Dans un semi service, tout ça, la musique, location, bah, lumière. Ok, nous avons la location de musique. Je vais parler en français pour que tout le monde attende. Nous avons la location musique, des instruments musicaux. Nous avons l'installation des caméras. Nous avons la réparation des ordinateurs, montage vidéo, prise de son comme studio. Si vous voulez faire une chanson ou un album, nous sommes là. Et si vous voulez apprendre l'informatique, montage vidéo, maintenance, l'installation des ordinateurs, c'est mes services, nous sommes là. Nous avons nos numéros et nous avons nos pages officielles que vous pouvez suivre sur Facebook et Instagram. Merci. C'est ça le numéro. Le numéro c'est 513 999 3229. 513 999 3229. Donc si vous voulez apprendre l'informatique, si vous avez besoin de tout le service informatique, j'ai travaillé avec des amis américains. Ils pouvons aussi nous aider. Merci. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, vous avez vous-même entendu toutes les douces mélodies, toutes les belles mélodies qui nous ont été présentées ici ce soir. C'est le DJ Love. Donc vous avez besoin de ses services, comme il a dit. Vous pouvez vous en procurer en appelant au numéro qu'il a communiqué. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, maman Béni. On va vous voir ici. En tout cas, j'espère que vous avez bien mangé. J'espère que vous avez bien mangé la nourriture. Moi-même, j'ai mangé, c'était succulent. En tout cas, celle qui a cuisiné est bel et bien là. Elle va parler de son business. Elle va faire entendre sa petite voix. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je tiens à remercier Madame Blandi pour cette opération full la business à Moninga. Je m'appelle Madame Béni, je vis à Cincinnati, précisément à Westchester. Je fais les services traiteurs pour le mariage, anniversaire. N'hésitez pas à me contacter. Même pour les célibataires qui veulent peut-être manger, bien manger surtout. J'espère que vous avez tous bien mangé, si je ne me trompe pas. Je m'appelle Maman Maléwa, Cincinnati, je suis là. Mais souvent, je viens de ce côté. Il y a beaucoup de gens qui m'invitent ici. Bafou la rangaï, nandengé na bango pe awa na Florence. Donc, mon numéro c'est 513 291 5786. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, demandez une question. Ça passe? On a commencé avec le business, les femmes. Donc, il faut appeler pour le business. On sait que nos dames sont très belles, mais il faut appeler pour le business, s'il vous plaît. Donc, il y a aussi Madame Hélène qui va bien approcher ici pour nous parler de son business. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Hélène Ngoya Kilala. Je fais les cheveux, je tresse, je fais aussi les make-up, je lave aussi les perruques sales. Si c'est sale, tu viens avec ça, je vais laver. Donc, yeah. J'ai beaucoup de business. Je loue aussi ça, je fais louer les 360 pour vous faire tourner un peu des vidéos, des selfies. Vous allez tourner ici aujourd'hui même. Yeah, ça ne va pas rater en tout cas. Ok. Merci beaucoup. Mon numéro, c'est 606-210-1785. Vous pouvez me contacter pour les cheveux, yeah, pour les make-up, être jolie comme aujourd'hui, comme moi aujourd'hui là. Wow. Ah oui. Okay. Merci beaucoup. Pour le numéro, c'est 606-210-1785. Je vous remercie. Merci, Maman Bélise, pour l'applaudissement et le point de place. On a commencé avec Maman Bélise qui nous a parlé de son business. Un business qui nous permet de nous régaler avec de la bonne nourriture. Elle a dit, elle est à Westchester, mais elle va partout. Elle ne s'arrête pas seulement à Florence ou dans le Kentucky. Elle va partout. Donc, vous avez votre cousin, votre cousine qui se marie, qui a besoin de ce service. Il faut toujours la mettre en connexion avec ces personnes pour qu'elles puissent voyager et aussi aider avec le service traiteur. Et là, on a eu Madame Hélène qui nous a parlé de son business. Elle rend les femmes belles. Et puis, elle a dit, elle lave les perruques sales. Ça, j'avais retenu. Hein. Donc, tous ceux qui sont à la maison, vous avez besoin de les faire. Dans les nuits, je suis fatigué. Nanana. Vous avez besoin de faire laver vos perruques. En tout cas, elle est là. Et comme on vous a dit, les contacts, ils ont donné les contacts. Mais si vous n'avez pas eu le temps de les prendre, Maman Blandine est là. Moi-même, je suis là. Venez nous voir. On va vous connecter avec ces personnes. Même si ce n'est pas aujourd'hui, demain, après deux mois, vous vous rappelez. Il y a une dame qui avait dit ceci à la salle. En tout cas, appelez Maman Blandine. Appelez-moi si vous avez mon numéro. Et en tout cas, on va vous connecter avec ces différentes personnes. Il y a deux dames mais qui ne vont peut-être pas monter ici ce soir, mais aussi qui ont des business. Nous avons commencé avec Maman Mavilomo. Elle a son business. Elle a son business. Elle aussi, elle fait le service traiteur. En tout cas, après avoir mangé, comme vous avez bien mangé là maintenant, tous nos desserts se trouvent au fond de la salle. C'est du côté gauche. En tout cas, regardez comment c'est beau. Hein. Moi-même, je ne parle même pas de ça. J'ai goûté tout ce qu'il y a là-bas, les cupcakes, c'est quoi que ce soit. Franchement, c'est magnifique. On a besoin que vous vous levez juste après pour aller manger les desserts. Ils sont faits par Maman Mavi. Maman Mavi ne fait pas que les desserts. Elle fait tout. Elle fait aussi le service traiteur. Donc, elle cuisine pour les grandes fêtes, ainsi de suite. Donc, vraiment, n'hésitez pas de vous procurer de ce service parce que ce sera vraiment des services de qualité. Et aussi, dans la communauté, il y a Maman Grâce. Maman Grâce peut se lever, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Elle ne monte pas, mais on veut seulement la voir là-bas. Donc, voilà, elle est là. Maman Grâce a un service d'organisation que vous faites. Donc, on est complet ici en Afrique. Maman Grâce a son service d'organisation de fêtes. Donc, si vous avez besoin qu'une personne s'occupe de l'organisation de vos fêtes, n'hésitez pas, en tout cas, on a besoin que vous puissiez soutenir nos sœurs et nos frères congolais et africains dans leur business. En tout cas, c'est des services de qualité. On est là. Moi-même, aujourd'hui, je travaille aussi avec Maman Grâce. Elle me casse partie par là pour les différents mariages et différentes activités. Pardon. Donc, c'est vraiment des services de qualité. Vous voulez reparler? Il y a M. Didier Dakandoul qui veut encore dire quelque chose. Je m'excuse, je voulais ajouter quelque chose. L'histoire d'Yakas ne se limite pas à lui-même, je voulais dire. Si vous avez un produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour exposer les produits aussi d'autres amis. Il y a Mme Hélène qui fait les maboquets chaque week-end. Nous avons la licence de cooking. C'est-à-dire, si vous faites bien la cuisine, vous avez un produit que vous voulez exposer au store d'Yakas, c'est bienvenu. Donc, il y a tout ça. Il y a Mme Blané qui fait aussi la cuisine, qui amène au store. Tout ce que vous avez comme produit, vous voulez exposer, vous pouvez toujours nous contacter. On va s'arranger pour l'exploitation. Nous voulons vraiment s'épanouir ici en Amérique. Merci. Et vos applaudissements, en tout cas, c'est des bonnes choses.
En tout cas, c'est des bonnes choses, on n'entend que des bonnes choses. Et là, ce soir, on entend une personne qui est en train de dire qui soutient aussi le commerce, le business des autres Africains. En tout cas, franchement, c'est très, très, très important. Comme on a dit, notre diversité était une richesse et notre unité était une nécessité. Ça, c'est très important. Monsieur Didier Diakandoul nous montre comment nous devons unir toutes nos forces, comme le président Fabien Chinombo l'a dit, pour que nous puissions avancer en tant qu'Africa. C'est très, très, très important. Soutenons le commerce de nos frères. Soutenons le commerce de nos sœurs. C'est très, très important. On quitte le Congo. On va maintenant passer au Cameroun. On va appeler Monsieur Pierre, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Il va venir nous parler de son business. Ma pauvre coco de Cameroun, ma pauvre coco de Cameroun, mon Dieu, il me laisse. Nous allons accueillir ce bon monsieur qui est bien habillé, il va nous dire un peu ce qu'il fait. Bonsoir, monsieur Pierre. Bonsoir à tout le monde. J'ai beaucoup entendu parler ici de business. Ça, c'est quelque chose que j'aime entendre, en fait. Et qui dit business dit. Dit ouais. Money, n'est-ce pas? Qui ici sait comment facilement financer son business? Levez la main. Personne? Ok. Donc, actuellement, je suis en train de travailler avec des partenaires pour une compagnie ici à Northern Kentucky qui va aider les propriétaires de business qui sont en train de se lancer, qui ont besoin de financement pour ce qu'ils font. On va les aider à travailler, à bâtir leur credit score. Parce que oui, les compagnies aussi ont des credit scores pour avoir des financements et également parfois des financements à taux zéro. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement. Malheureusement, c'est pas encore actif. C'est actif dans un autre état, mais bon, pas encore ici. Mais déjà, pour tous ceux qui font du business et qui veulent se lancer, sachez que c'est une opportunité. Aussi, tous ceux qui ont des très mauvais credit scores, qui ont eu collection, qui ont eu des problèmes avec des... Bon, on va pas citer tout ça, d'accord? On connaît tout ce qui se passe souvent, n'est-ce pas? Donc, également, l'un des services qu'on va vous proposer, c'est vous aider à enlever ça de votre credit score complètement, d'aller effacer ça complètement parce que c'est possible. Malheureusement, quand on vient ici, l'une des choses qu'on ne regarde pas, c'est comment le système financier fonctionne aux États-Unis. Et yeah, je sais aussi qu'il y a mon ami Eric là qui disait qu'il paye trop de taxes. Oui, nous, on peut aussi vous aider à réduire un peu les taxes que vous payez, mais de manière légale. Mais il va falloir faire un peu de travail sur vos finances. Donc, la semaine prochaine, j'aurai un calendrier un peu léger. Donc, je vais pouvoir expliquer cela à quelques personnes. Donc, je vais donner mon numéro, mais que les choses soient claires. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour tout le monde, malheureusement, comme nous sommes encore en train de bâtir la compagnie. Donc, je vais donner mon numéro. Textez-moi d'abord. Parce que si vous appelez, je vais pas prendre un numéro que je connais pas, c'est mon numéro personnel, pas le numéro de la compagnie. Donc, parce que nous sommes en train de, avec maman Blandine qui a fait quelque chose d'exceptionnel, qui a dit l'entraide, n'est-ce pas? On doit travailler ensemble pour être plus fort, n'est-ce pas? Quand on dit l'Afrique c'est zéro, c'est pas juste les Congolais ou les Camerounais qui sont zéro, c'est toute l'Afrique, n'est-ce pas? Donc si on devient plus fort, qu'est-ce que ça veut dire? L'Afrique devient plus forte, n'est-ce pas? Donc je vais le faire gratuitement pour les quelques personnes que je vais prendre d'ici la semaine prochaine. Je vais leur expliquer tout ça, ça sera gratuit, mais s'il vous plaît, c'est du temps que je vais investir pour vous gratuitement. Donc, ne le gaspillez pas, parce que je peux utiliser ça pour quelqu'un d'autre qui est vraiment dans le besoin. Donc, ne me textez que si vous avez réellement besoin de ce service-là. Je vais en parler avec vous pour vous dire comment ça va se passer. Donc, mon numéro, qui a commencé à noter? Qui ça? Ah, il est déjà. Ok, qui est prêt? Qui n'est pas prêt? Encore deux secondes? Ok. 859. 429-1889. Easy, right? So, textez-moi d'abord avec votre nom et rappelez-moi que nous sommes vus ici. Donc, je vais trouver le temps de... Et aussi, pourquoi est-ce que vous me contactez? Donc, je vais essayer de trouver le temps de au moins vous dire, bon, voilà ce qu'on peut faire ensemble. D'accord? Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Monsieur Pierre, la réponse. Franchement, il sied de réitérer ce qu'il a dit, parce que ça, moi, j'ai jamais entendu ça ici, qu'il y a des personnes qui nous aident à faire financer nos projets. Très important. Des fois, on a beaucoup d'idées qui nous traversent dans la tête, qui circulent par-ci, par-là, mais on n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens pour en fait réaliser ce que nous faisons, ce que nous voulons faire. Il y a des messieurs comme ça, comme Monsieur Pierre, qui vous aident à faire financer tous vos business. Donc franchement, c'est des services, moi, je pense,
qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment consulter et utiliser. Et n'oubliez pas les numéros qu'ils vous donnent aujourd'hui. Si vous ne les avez pas eus, nous sommes là. Vous êtes rappelé dans certains business quand vous voulez avoir les services. Appelez Maman Blandine, appelez-moi. En tout cas, nous allons vous connecter avec ces différentes personnes. Donc voilà. Et là, nous allons passer au moment phare de la soirée. Au moment phare de la soirée. Parce que nous sommes venus ici manger, boire, parce qu'on était venus se réjouir pour Thanksgiving. Mais nous avons aussi deux invités particuliers qui vont venir nous faire rire ce soir. On va nous faire rire, nous allons le sourire. Parce que c'est des artistes comédiens. Nous allons donc appeler sur cette piste. Nous allons appeler Monsieur Tatou Mutombo et Monsieur Lianza Sou. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements, ils arrivent. Oh. Et voilà. Je ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bertoua Boué. Bertoua Boué. Est-ce que Israël m'a allé? Naza comme on a découvert tout ça, moi, ma djedi, moi, nous autres, ça, il y a encore ici, vous dites, ici, vous entendez. Mais toi, tu peux ça, il y a tout le temps, là. Au stade, là, on a eu, mais on m'a dit, oh, t'étais là, qui m'a enfombé. Papa Liang. Moi, t'es la vie, c'est là, moi, t'es la vie, c'est là. L'on va, alors, parce que quand on a dit, on a battu, tu sais, on a connu, c'est bien, on a Pour que tu aies un bon terrain, ce qui n'a pas été américain, c'est que comme on a dit, il y a des sophotés, des sons, des bolins, des samba, 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 Na komi ndo so ngai tawo na otikisa sa na ibike
Siri, ils ont les sons. Voilà. Naïvi qui fait, ils ont rapide. Il y a moi. Voilà. Ils ont hôtel. Boy. Na comme dans l'aéroport, na habite à Chile. Si on est en avion, ça commence à partir du moment où on est. On est en avion, on est en partie du voyage, on est en voyage, on est en voyage, on est en voyage, on est en voyage. Maintenant, il me dit quoi, migration, nous sommes migration. Maintenant, le professeur dit là, you sleep? On a dit yes. Bon, yes. You sleep? On a dit yes. On va gagner cash, il est. On a dit, non, you sleep? On a dit yes. On va le gagner, on va gagner pongi. C'est normal, on a dit, non, il était. La compagnie n'a rien à l'invité à tous les gens qui ont la vie. Elle dit yes. Yes, sleep, yes. I'm sleep, good. Yes, question. Yes, quand tu sleep, elle est. Tatou. Yakat. Oh, n'a pas la haute, je m'en cache. Oh, ma vie, on est en train de me dire. Ah, t'es pas là, oui, monsieur. Mon nom habité, avancé. Allez, on a dit bon. Yes, sleep, on a dit yes, sleep. A dit, ok. Show me your face. Ba monde le royaume. Négrasa bien ngai boy. Show me your face. Vous attari ba to, tara monde la osemo la face mangai. Attari ba to boy, attari ngai na dia. Monde la gira ngai si mangai akomona ya soko ya libinja. Bola. Na zongi ko sa migration. Wanda pa to bantongi. Na baoli mo kongola si mangai. Nabi, what did you say? Abi, show me your face. Nabi, go fumba la poupée. Nabi, go fumba la poupée. Mandela la tali nga la bi. Why? Why? Nga bi, yo no bi nga la lisa face. Voilà. Nous avons la face à Mbanda Kalelo. Voilà. Nabi, zamba, nakati, koto yon mamba, nabi, koto yon mamba, nakati, zamba. Nadi sa boy mo nabi no 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 good no good hey no good hey nabi nim ton mama wa yesa te papa ki esa fes ya simade esa fes ya elongi abi na ya longo la kashine ko la gisa ya elongi na ya zo ya go tu ma do moni lo ba ka to ko da kalani na yo ki ter yo silip silip esa pongi nga abi na ba silip ya kati. Na vite hotel show me your face na ba si ni la gisa ye si bananga wana ba pika ki me a pika wana ba pika ki soku lu la ki ngena za ko bona akwa da ya ye ni gisa pe mwana mwasi a piki mama na ma soku apo kwa te wa na a te mo soku toka za munsu nini ni kalu do ba sama maka mana mana ba komo ne wombo ta za ko bana ese wo ni la te ta he apa na ko na likinja wo ni la te ah papa yo nani batu no kubimisa biloko ya solo no zaku bimisa batu na zaka na kelo ndele mungala ya solo makamu nyoso ni bakalo ya mapete tatu ndele kelo aye omwana we bovandi a ta na baba bafi na majirite na na wote biloko ya yote ambe to pita yo bota mi e po bota mandengi wi tu ya balelo na le sere mwana wa pa tu pa na bangote na unta wati yo madina 13 ha apa nang mama nang bapak dia apa kau tahu 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 moni yo tong kena kena nang dia na baso kau ana miso di servis amanda apa nang aku masuk nang bayang habite dizem na aku tanah zaman na sana sedek na dizem 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 sem na kodi na sama banani na sama sedi na ya mom yo eh ili baki ya zambe tawo sem na kodi baba habite mwana kwa sama mwana ngati boso kwa mota na baso kwa ha. Quand on va se faire, quand on va se faire, on va se faire. Mais est-ce qu'on va se faire, on va mettre la main de l'église, 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 l'église. Pourquoi on va se faire? Pourquoi on va se faire? Marité, ok. Ah, papa. Et c'est la quoi? Ah, non, non, papa. T'as là tout fouin, j'ai oublié, tu peux. Nous sommes comme on a Willy Jack, t'es boss live. T'as là, c'est mal, Willy Jack. Nous sommes comme on a Marité. Nous sommes comme on a Marité. N'a quoi? N'a quoi? N'a quoi? N'a quoi? N'a quoi? Sorti européen de Johnson, Johnson, et ça a venu de. Nous avons noté Johnson. Ben, merci. Johnson, Johnson. Sikawa, le maïa yo. Bisso Sikawa n'a pas eu la ligne. Maïa a continué parce que ça m'a eu la ligne. N'a pas eu la ligne. Il m'a eu la ligne. Il m'a eu la ligne. Il m'a eu la ligne. Il semble. Vous êtes en son côté. N'a tous les hommes qui ont tout fondé, mais papa. Oui, comme on a eu. Oui. Oui, comme on a eu. Combo, Maïa, nous y a l'origine. Oui, comme on a eu.
Congo, papa, oui, national, oui, 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 comment on a monné national, oui, oui, au moins, si on retourne en fait, oui, hein, on retourne en fait, oui, la lingal, voilà, oui, comment on a monné, tchinali, oui, oui, Azul Marquez. Azul Bananga. Azul Bananga. Tala. Tatu. Et c'est la castatima qu'on lui donne moi sa guitare. Yo, il n'a pas chanté. Et c'est la castatima qu'on lui donne pas sa guitare. On a dit seulement le lot à ton enseigne du Seigneur. Loba. La base, il va pas bien. On gagne un bang à la moins cité. Voilà. Mais quand moi c'est Michael Jackson, bon au moins. Shit! Non, mais tu n'as pas tout non. Yo, mais quand moi c'est Michael Jackson, au commun. Papa, tu vas pile, Shit! Wolf, papa! Ah, shit! Shit, hein? Shit! Shit, hein? Shit! Mecca! Ou alors, tu n'es pas à. Et pas Dieu ne m'en bave. Dieu ne m'en bave. Au moins, Dieu là. Alors, c'est ça. Eh. Mon tour, mon bébé. N'y a ma zamba vanga. Soroki kata, satana, l'ikoria, n'y a kata, kata, bao, 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 kata, bao, 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 kata, bao, 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 Melissa, Tatu, y a Johnny Mulumba, Tatu, Tatu, Lianza, Tatu, Lianza, Yoga Malam, hein, ceux qui l'ont aimé, la nakanga Malam ou ta, la zakulu anayo, est-ce que vous avez dit quoi Lianza? Bon, la première vérité. Maître. Maître, Omiyeli maître, Omiyeli. Omiyeli no zawa na maître, Omiyeli. Na bota lote, Omiyeli. Eh, c'est bien le coréenia. Bon, la fois n'engasse pas, il faut éviter, éviter, éviter. Tu y es bien le coréenia. Eh, c'est bon, il y a quoi? Oui, ça, oui, oui. T'as le coréenia. Le coréenia, le coréenia. Zawa na. Ah, ok, ça. Mondele azama yiri makasi. Mondela sali bathroom tuna na miroir. Voilà. Kota na kata chambre na bathroom. Voilà. Longola bilamba. Tema bosa miroir. Tala bien. Pour comment na se matoi ba pole botabe ngoli koyenya. Ba pole botaka. Ah.
Ah, papa, tel bargain de l'homme de Mélissa, donc il n'aurait pas Mélissa. Si tu as l'air qu'elle t'a besoin de Mélissa, je vais pas m'en donner. Tala, tatou, y'a mis ça, tu vois. Ou alors, moi, c'est une salade dans ma vie. Papa, tu vois, c'est une maman pour la chèque. Elle me dit. Elle me dit. Tu connais les gens. Moi, mais tu connais. Tala. On s'est exagéré. Attends, on s'est exagéré. Ah, c'est que j'ai mon cache. Ah, c'est que j'ai mon cache. On aura des longues, donc on sait. En ta camarade, il n'a pas été. On sait, c'est autre. À chaque chine. Papa, là, il faut que j'aille net, il était. Ça va être bon. Aïe, il s'allait net. Pas mal, papa, là. Ah, ça, la samba, il y a un amour, le coup, là, c'est que ça. Où est bien? Maître, au milieu, il est bien, maître. Où est bien, mon tout ça, vous sexe? Mon tout ça, vous sexe, vous êtes bien. Au milieu, papa, d'une, ah bien. Oh. Oh, papa. Tu m'entends comme ça? Papa, Gims. Papa, Papa, Gims. Vous avez mon tête, Gims, pour le papa, il a dit bien. Vous avez mon tête, Dadjou. T'as l'air de faire Gims. Oh, papa, il a dit Dadjou. 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 Il a dit. Tellement. La télé. La télé. Dadjou. A bien le téléphone. Vous avez l'ongue à grimace, hein? À mon côté, on voit ce que je vais vous dire. T'es là! T'es là! T'es là! T'es là! Papa! Papa, là! Il va me donner la nette. Oh, yo! T'as. Vous voyez bien? Hey, Rastama, where was the man? Il a un man! Allez baby, ça va aller, ça va bien? Vous avez commencé à quoi aller? Pourquoi vous êtes caché? Voilà, Michel Mouleba, boss Mouleba. Manifeste-toi. Manifeste-toi, boss Mouleba. Pardon. Nous sommes Zayoua. Papa, vous avez un grand diminuant de soldats à mon goût, hein?
Eh, au soleil, États-Unis, où est-ce que papa, où est-ce que vous avez Emile Mwadi, oh Mwadi, manifeste-toi. Blana State. Blana, où est-ce que tu es? Blana State est tout. On a zapoundé, maître, maître. Emile Mwadi, manifeste-toi. Maître. Maître. Siga, cadre la musique, pardon, cadre la musique. Mon d'après, c'est même mon maître, mais il m'a sangani. Pour un atteint Dieu, mais il m'a sangani, atteint Dieu. Si quelqu'un m'a sangani, maître, cala, d'accord. Adouci, madame, Achimbi. Maïna pour le bois, t'es ce qui peut tuer à tes signes de l'autre. Maman n'a pas de soucis de l'autre dans le monde. Maman n'a pas de monde. Maman n'a pas de life. Si vous avez fait chier, moi je peux te faire un peu de l'autre. Maman n'a pas de talent. Maman n'a pas de talent. Merci, maître. Merci. Qu'est-ce que ça va nous améliorer? Mais monsieur, aspect tout. Pile, Jackson, papa, à coup de tasse à vous mourir. À coup de tasse à vous mourir. Jackson, pile. Papa. Papa. On Michael Jackson. DJ, DJ, Michael Jackson. Ata. Déjà gâté. Oui. C'est une ligne. Et bien, on a un cadeau. On a une ligne. On a un mystère. On a des cagnomis. Merci. Bon. Attends, il y a une ligne. Erkeli. Papa, il y a un Erkeli. Il y a un tel Erkeli. Papa, Erkeli, il y a un mabé. Il y a un mabé. Il y a un chèque, papa, parce qu'il y a un chèque. Blanastetta.
Thank you so much. Hein? Ti! Ti! Papa, où est-ce que les Américains quand? Hein? Loa, il y a un anglais qui va battre. Beaucoup pour moi plus. Loa, il y a un anglais. Come on, come on. Come on, come on. Come on. You see this baby girl? One more little baby. This is American, American girl. The name, again, look. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Yeah, merci beaucoup, papa. Oh, oh, non, extension. Papa, la dame, 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 on a eu la fin. On a essayé de bander. Ce qui ça. Qui a sa fin. On a eu. On a eu. Il y a des fins. On a eu. Ce qui ça. On a essayé de bander. Papa n'a pas. C'est ça. Il y a eu ma oua. Bouger. Commissaire, c'est bander. Il y a ma oua. Mais ça, on a eu papa. On a eu nos affaires. On a eu nos affaires. La télé à police à Bouya. What is your name? La différence. Where are you? Il faut des billets anglais. N'a pas ça, non? Bon, il faut. Papa, bon, il faut. 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 Je suis un papa. Pardon. Je suis papa. Je suis un papa. Je suis un non, 5, 5, 10, 5. Non, c'est pas un homme, c'est un homme. 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 Papa, English, English, un homme. C'est 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 thank you so much. Ting, man, God bless you. God bless you. L'équipe de nos camps, nous voyons moins. Nous voyons moins, 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 nous voyons moins. Maria, pas comme il m'a dit, ah, mon nom est venu de là. Oui, vous savez, vous savez. Alors, moi, mon dame, c'est qui est. Bonsoir. Bonsoir. Eh, oui, non. Vous allez. Eh, quand vous. Non, qui n'a pas attendu. Quand vous, nous, eh. Eh, quand vous. Quand vous, mon chimie, dit, ouadji, auto, ouadji, banque, banque, y'a. Vous allez avoir. Et tout, vous allez, monsieur, vous allez. Moi, je vais vous parler de Kinja. Nazaré Ahmadou Bande Konambaye, Bako Moussa Paké. Merci. Merci, Bande. Merci. Vous l'avez dit à Kabana. Merci. Vous l'avez dit à Kabana. Merci. Vous l'avez dit à Kabana. Merci. Vous l'avez dit à Messe. La terre a sali pour être avant d'être à son pina il y a eu du Moutaka. Satana Massa Samba. Kata Baba Baba. Oh, si ma yemo konga o, na
merci à mon concognon. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci beaucoup à nos artistes comédiens, ils nous ont fait rire, nous avons passé une superbe soirée. Nous remercions encore Madame Blastate, Madame Blandine, pour cette belle initiative, pour ce bel événement. Alors maintenant, nous allons continuer, c'est un autre moment, pas. Maintenant, c'est le moment. On a dit à toute fête, on mange, on boit, et puis on danse. C'est pas ça? On mange, on boit, et puis on danse. Alors DJ, s'il te plaît, on va appeler les gens à la piste là. On a besoin. Moi, j'ai déjà enlevé ma veste. Hein. Thank you.